Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Putain, ils sont garés près de la... Oh la vache. De Ghost Recon Wildlands. Donc, chers amis, nous sommes toujours dans cette mission, dans cette région, pardon. Nous allons essayer, je dis bien essayer, d'attaquer ce convoi qui semble-t-il... sera peut-être plus dur à faire que prévu. Je ne sais pas. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que... Bon, je reconnais que le boulot de nos potes est peut-être plus compliqué que... C'est pas la bonne bagnole qui a explosé là. Hein. Soyons honnêtes, si, c'est la bonne. Ok, donc on s'approche de l'autre. C'est passé un truc là. Pourquoi ils m'attendent? Hop. Hop. Aïe. J'ai pas le temps de changer d'arme. C'est ma faute. J'aurais dû changer d'arme, mais c'est pas grave. On va se faire agresser, cela dit. Là, dès qu'on va être relevé, on va se faire agresser. Putain, puis j'ai pas la bonne arme. J'ai la mitrailleuse lourde ici, là. Wow. On va passer loin. Mon G36C, il va être bien plus précis à cette distance. Ça va être bien mieux. D'accord, attendez, moi aussi je peux faire. Bah ils ont pas à se foutre derrière une bagnole de la Santa Blanca aussi, hein. Moi je suis désolé, hein, je m'insurge. Ah c'est cool, il est en forme le camion. Allez, salut les filles, on y va. Je sais pas du tout où c'est que faut que j'aille, par là, hop. Les mecs, il y a un combat qui dure depuis X temps et... Non, mais on va se manquer d'une voiture du cartel. Pourquoi pas. Euro Truck Simulator, j'attends que le train passe pour pouvoir passer. C'est la fête. Ok, bon bah c'est bon, on est passé. Du coup, il y a des gens, il y a une personne avec nous. Ouh, il faut tourner. Bon, bah ça se passe plutôt bien finalement. On a lâché un petit peu la dernière fois. Oh, mais merde. Ouais, c'est bon, je me rappelle, je sais c'est laquelle. Il faut ressortir. Je m'en rappelle maintenant. Non, s'il se pose pas de questions avec la fumée noire qui sort de l'avant du camion, moi c'est moi qui m'en pose des questions derrière. Ok. Comment je suis censé en sortir? Il n'y a qu'une seule porte, hein, c'est bien fait. Hein. Sicario en visuel, près de l'entrée du camp. Je déploie le drone. J'ai repéré un autre ennemi. Je vois une troisième cible. Encore pour être simple cette histoire. Pourquoi c'est jamais facile?
Pourquoi c'est jamais facile? Non, sérieux les mecs. J'en vois un autre, ça fait 5. Faudrait que je réussisse à monter jusque là. Le problème c'est que face à lui je pourrais pas. En fait si je peux rentrer là-dedans. Merde, ça c'est mes mails, excusez-moi ça, parce que j'ai fait de la voiture, du coup je les avais mis en Hop, j'arrive à retrouver le bouton. Merde. Bon tant pis, j'arrive pas. Voilà. Merci. Si j'arrive à rentrer ici et à monter suffisamment haut, je peux sortir. C'est faisable. Il y avait un zoom, j'avais zappé. Ok, on y va. Ah mais je sais. Maintenant ça va me mettre repéré automatiquement, j'imagine. Deux sicarios près de l'entrée du camp. Je suis dans l'ombre. À terre, t'es trop visible. Je suis trop visible. Moi. Je suis trop visible. Vas-y, tourne-toi et je m'en vais. Visuel, c'est un groupe de sicarios. Vers l'entrée du camp. Allez, tourne-toi et je m'en vais. Voilà, tu vois quand tu veux. Crac. Ça se passe plutôt bien. On va réussir à s'enfuir. J'espère. Alors, en douceur, en douceur, en douceur. On est bon. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à partir, mais dans l'autre direction. Parce que eux risquent de me voir, en fait. Capitaine, on arrive à 10 cibles. Ok, j'y vais. Reçu, cible marquée. Tu es en force. Recule, tu vas te faire griller. Ok, je tente. Allez, on croise les doigts et on ouvre. Oh la vache. Oh la vache. Et la zone est gigantesque, hein, je veux pas dire. Regardez ça. Je parle de la zone de pour sortir. C'est absolument gigantesque, regardez. Ça y est, je suis à peine sorti là. Eh bah dis donc, on en a chié. Alors, je sais plus ce qu'il y avait ici. Il y avait quoi comme arme déjà? Un fusil d'assaut précis de combat. Précis combat, pardon. Ça pourrait être intéressant, ça m'intéresse. Il faut que j'aille faire quoi là ici? Interroger le directeur de la banque pour obtenir le coffre du code. Le code du coffre, pardon. Coffre du code. Désolé. Voilà, tais-toi, c'est mieux. Moi. Ok, bon. Eh ben, il y a encore du boulot. J'aimerais bien avoir ce buggy, il est génial, il a une super gueule. Oh, point de compétence acquis niveau 14. Niveau 15, j'aurai accès à des nouvelles compétences d'ailleurs. Arme, visée stable, je l'ai déjà. Toutes les compétences armes. Bon, bah voilà, déjà. Vous réapparaissez. C'est de la triche ça. C'est carrément de la triche. Moi, c'est le C4 que j'aimerais avoir, si possible. Eh ben, c'est mal barré. L'endurance, je l'ai déjà. Tir synchro, résistance de l'escouade. Bon, bah, tant pis. Ok. Ah, bah, il y a plein d'intel. Ah oui, c'est des intels qui bougent, je m'en rappelle. Ah, ils me disent d'aller plutôt par là et pour arriver ici. C'est pas...
C'est pas complètement con, cela dit. J'ai des motocross là, ouais, j'en ai, cool. On y va. On va peut-être y aller en passant en cross, effectivement. Oula, oula, oula. Tu te calmes, Johanna. Apparemment, je suis pas le premier à passer par là. Des fois, j'ai l'impression de jouer à Trial Fusion, vous savez. Enfin, il y a eu un autre, du coup, qui est sorti. Je sais plus c'est quoi, comme il s'appelait. Trial quelque chose, sans doute. En fait, il suffirait que je fasse de la ligne droite. Mais c'est pas ce que je vais faire. Voilà, je vais prendre par là. Plutôt que de passer dans l'autre région, je vais passer par là. Wow! Des espèces de favelas, c'est rigolo. Enfin rigolo, tout est relatif, hein, mais... N'attendez pas à en voir ici, à vrai dire. Ok. Donc, je peux difficilement être mieux placé. Il a un minigun. Oh, il y a... Il y a un brouilleur, intéressant. Je peux pas éteindre le truc, je voulais l'éteindre, mais... Ok, ça passe. Effectivement, il avait une mitrailleuse. Pardon. Je confirme. Mais oui. Bonjour. 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 Vous avez sans doute des choses à me dire, monsieur? Voilà, faudra penser à refaire la peinture parce que le placo. Il a fait que de te freiner dans ta carrière et risquer de t'entraîner. Donne-nous les codes d'accès à son coffre et Pulpo fera en sorte qu'elle disparaisse. Pulpo? Chingalo. Ok, está bien. Les codes sont à vous. Trop facile. Beaucoup trop facile. Ici Nomad, on a les codes d'accès. Est-ce que t'es rebelle? Ouvrir la porte du coffre. Oh merde! Ils sont prêts. À retirer des centaines de millions de bolivianos. Attendez notre signal. Nomad, terminé. Y'a personne en fait. En fait, c'est en train de monter. Autant pour moi. Question. Où est le machin qui tourne? Putain, je le vois pas. J'aimerais pouvoir, vous savez, péter le radar. Ils sont en train de venir. Quoi? 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 Qu'est-ce qu'il m'a shoté? L'hélico? Voilà. Problème résolu. Maintenant.
Où il est? Oui, ça il est là, d'accord. Mais moi je parle du bonhomme, il est là. Ok, il est tout seul et il est loin. Hop, parfait. L'armement. Base de Barvechos. Oh, dis-moi que ça passe. Wow! Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Oh, regardez, il me voit déjà. T'es sérieux là, bonhomme? T'es sérieux là, bonhomme? Voilà, je tire avec des... je tue avec des balles dans le pied. Ça, c'est moi qui rigole. Voilà. Je l'ai fumé, t'as dit? Tu veux dire que je l'ai fait? Bon, tout le monde va bien. Ok, l'armement, c'est bon. Par là, une caisse d'armement. Je prends. Prendre l'équipement. Non, 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 la radio, non. Voilà. Inspecter l'arme, ça marche toujours pas. C'est génial. Donc. Fusil d'assaut, AUG, A3. Vraiment, c'est assez moche visuellement, voilà, c'est bien ce que je disais. Lunettes, hausse polymère, vue panoramique, d'accord. Je peux prendre la mire polymère peut-être. C'est la même, d'accord, c'est la même. Au niveau des stats, c'est exactement pareil. On va augmenter la précision, même si je pense pas qu'il en ait véritablement besoin. Accessoires montés. Lance-grenade standard. Protégera, j'imagine que j'ai rien d'autre. Canon. Canon long. Là, il a déjà plus de gueule, hein, je veux pas dire, mais... Et je peux le comparer? Ok, donc... il est moins bien que mon G36, mais alors vraiment, 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 vraiment moins bien... attendez, il est là. Ah non, il est pas si moins bien que ça, finalement. Ah, par contre, j'ai peut-être pas de silencieux dessus. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... verdict... Il est mieux. Donc je l'équipe. Voilà. Ok. Là-bas, il y a quelque chose. Ok. J'ai trouvé une des médailles du cartel. Il y a un sicario qui va s'en bouffer les couilles. J'espère pas pour lui. Apparemment, ils nous ont vus. Presque. Presque pas, ça dépend. Par contre, on est traqué apparemment par des gens. Ok, salut les filles. Allez, sortez. J'ai besoin d'un coup de main. Merci. Ok, c'est véritablement une banque en fait, ça met dans l'ambiance. Salut les filles, je prends des photos, vous inquiétez pas. Mais non. Par contre, du coup, comment ils font pour aller en haut? C'est ça la vraie question, il n'y a aucun escalier, aucune échelle. Donc ça ressemble juste... Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est par là. Ok. Ok, pourquoi pas. Bon bah, de toute façon, ils peuvent pas me voir du coup. Donc ça va être rigolo. Alors déjà, pourquoi avoir créé un escalier avec ça? C'est la grande question. Hein, c'est... Pourquoi? Oh mais attendez. Ok. Waouh! Ils m'ont vu. Pas de trou dans le mur par là? Non, bah quel dommage. Ok, on y va.
What the? What the? Tu sors d'où, toi? Putain, je suis engagé, donc si je rentre, ils me savent où je suis. Bon, ça se passe plutôt bien, hein, finalement. RAS, j'admire la présence de mes amis qui sont vraiment très utiles dans ce groupe. Coucou ? C'est moi ! J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Désolé, il s'est passé un truc. Grillé. Je vois pas de quoi tu parles, hein, honnêtement. Oh ! Quelle discrétion les mecs, sérieux. On va aller, c'est fait, on est tranquille nous pour l'instant. On va attendre qu'il... C'est un peu dégueulasse, mais on va attendre qu'il s'en sorte. Plus je vais pas vous mentir, mais avec cette lumière, c'est chaud pour viser, quoi. Vous voyez quelque chose d'agressif, vous? Oui, c'est pas agressif. Personnellement, je vois rien. Hein. C'est ça qui me pète les couilles, en fait. Si j'avais des cibles, je veux bien tirer dessus. Bon, bah tant pis, hein. On sort. Défendre le... Quoi? Bon bah... Attendez, je pose une mine. Mouais. Tire libre, tire libre. Bah regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais... Continuez d'avaler, butez-moi ces sicarios. Envoyer des mercenaires ici. Ok, je prends des munitions au passage. Et normalement ça devrait être bon. On a qu'à attendre normalement. Qui c'est qui a allumé la radio? Qui est le trou de cul qui a allumé la radio? Voilà. Apparemment on est traqué, donc ils nous ont oublié littéralement. T'en penses quoi, chef? Chef. Bah ben, en toute honnêteté, j'en pense pas grand chose. Pourquoi moi? Voilà. Elle a pété aussi sec? Non, bah ben non. Ils vont m'oublier, vous inquiétez pas. Je vois même pas de quel coffre il parle, quoi, c'est... C'est incroyable. Ou alors c'est tout le bâtiment, le coffre, peut-être? Peut-être. En tout cas, il n'y a pas des masses d'ennemis, ils sont pas hyper méga agressifs. C'est facile, en fait, hein. Tu te fais oublier, quoi. Ah, j'ai peut-être envoyé un repérage, passage. Au passage! Je vais demander une reco de la zone aux rebelles. Voici nos données sur les ennemis. Quel abruti. Ahora sí, esos putos hicieron volar algo en pedazos. A la verga.
tous à terre. Mais non, j'ai fait annuler. Oh, j'ai cru au suicide. En toute honnêteté, j'y ai cru. Je plancouille. Bah, c'est cool, je suis aidé par mes copains. C'est un copain. Putain, excuse-moi. Ok, bon, ça c'est fait. Désarmer les mines. Non, je voulais pas changer d'arme. Merde, crédit. Non. Non. Non, c'est bon. Ouh. Ah si, il m'a mis un... Ah d'accord, les PM vont à la place des... Ok. Par contre, du coup, je veux bien récupérer mon flingue. Mon flingue, mon flingue. C'était quoi que je dis oui, c'est simple. C'est simple. Ok, on est bon. Bon, ça se passe plutôt bien. On en est où dans l'épisode, d'ailleurs, au passage. On en est à 26 minutes. Nous avons fait 2 missions. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça, c'est quoi comme arme, déjà? Ah, un P7, effectivement. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Ça pourrait être intéressant, 25% de munitions en plus, même si pour l'instant on tombe pas en rade de munitions. On est tombé une fois au début, c'est pour ça que j'avais pris un point. Ok. Selon moi, on pourrait peut-être aller voler du carburant, cela dit. Enfin, faire quelque chose qui puisse nous rapporter des choses, tout simplement. Blindage aérien. Non, allez là. Crac. D'accord. Et trouvez-moi les petits secrets inavouables de la miss. D'accord, pourquoi pas. Non, l'objectif c'était pas que je fasse ça, c'était que je me téléporte. Je suis en combat. Ah oui, effectivement, je suis. J'étais en combat. Est-ce que vous pouvez m'oublier 2 minutes, s'il vous plaît, que je puisse me barrer? Merci. Hop là. Je fuis. Ouh. Ah là, j'ai crevé là. Là, je sens la mort, hein, mais... Oui, amigos. Mission cumplida. Le sommet est pas beau. Muchas gracias. Ouh. On n'aurait jamais pu prendre ce coffre sans vous. C'est pas passé loin, n'empêche, hein, je veux pas dire, mais... Et surtout, faites courir le bruit que Pulpo vous a aidé à vous servir. Pour les monter les uns contre les autres, c'est ça? Bueno. Vous êtes plus futé que vous en avez l'air. Je sais pas comment je dois le prendre, honnêtement. Je sais pas. Enfin bon, on va là. Et chers amis, nous allons nous retrouver dans le prochain épisode pour faire les dernières missions de cette région apparemment. De toute façon, je crois que je vais speeder un peu le jeu, parce que d'une, il est pas trop regardé, d'ailleurs vous pouvez lire dans les commentaires. Et j'ai un autre petit jeu que j'aimerais mettre sur la chaîne un petit peu. Ce sera de l'indépendant, hein, mais ce sera peut-être pas si mal que ça. Donc je note le nom d'épisode et je vous dis à plus. Salut les gens!